Bonjour tout le monde, ici PikaPofQC, un autre épisode de Monster Hunter Rise. J'ai un peu joué le mode multijoueur, comme vous pouvez le voir, je suis rendu 2 étoiles, je pense. Donc, ouais, mais je vais les refaire avec vous autres. Je vais vraiment comme me concentrer sur le mode histoire parce que je vois que ça va trop vite avec mes amis, là. Les autres, ils font mission après mission, puis j'ai pas de bon set, mais en tout cas, j'ai réussi à faire ces épées-là en la Gombi, et j'ai réussi à faire finir le l'équipement du baggy. Donc, on va voir qu'est-ce que ça donne. Okay. Le baggy, ça donne Blizzard. Ça augmente la puissance des attaques élémentaires à glace. Ça donne Machine de guerre. Ça augmente l'attaque. Ça donne Insomnie et Blizzard. Insomnie qui réduit la durée du sommeil. Insomnie encore. Machine de guerre. Et c'est ça. Quand même bon. Et c'est un suit qui est pas bon contre le feu, faible contre l'eau, faible contre la foudre, bon contre la glace, bon contre le dragon. On va aller voir qu'est-ce qui se passe en ville. On a lui qui a un message. Vous avez trouvé un endroit où installer un campement de l'archipel de glace? Fugen l'Ancien m'a demandé d'aider. Je pensais me mettre de ce pas, mais un monstre aux alentours nous cause des soucis. Pourriez-vous m'en vous en occuper? Avoir ce campement en disposition devrait vous aider dans vos futures expéditions. Après tout, tous travaux méritent salaire. Tuez 8 zamites de l'archipel de glace. C'est facile. Campement archipel de glace 1 débloqué. Ok. Attends, on va faire notre premier. J'ai parlé au gars, ça fait exprès, dans l'autre place à côté. Justement, quelque chose de très utile que mes amis m'ont fait m'ont montré en fait, c'est quand on va là, il y a une section pour notre ibouette. Je pense que c'est ici. Ouais. Il ramasse des choses pour nous. Après un certain nombre de missions, il faut venir ici de ramasser le stock. Remettre des herbes. Ok. Et oui, j'ai affronté quelques monstres. Que j'aurais dû attendre le groupe. J'aurais dû vous attendre faire ça. Moi, ce que j'aime, c'est découvrir le jeu avec vous autres. Dans le sens que vous avez quand même. Vous voyez l'effet de surprise et tout. Ok, prochaine mission. Non, pas ça. Quel village, niveau 2. La vengeance du lapin. Chasser un lagombi. Ça, on connaît ça, hein? Chasseur débutant timide. En allant chasser de quoi manger, j'ai vu un lagombi et hors de question que je finisse en casse-croûte. Est-ce que tu pourrais le débarrasser de lui pour moi, s'il te plaît? Donc un lagombi, on a déjà battu ça récemment dans Monster Hunter Generation. Donc on va le refaire ici, on va voir si il va être différent. Là, je l'ai déjà battu en multijoueur, donc on va le voir sur la map assez rapidement. Je vais faire plus de dégâts avec le froid pis tout, ça va bien. C'est une créature qui résiste au froid probablement. Donc euh...
attention. On a frosty mountain range, far from human haunts. An abominable beast does whatever it wants. Is it hare or is it bear? It is neither, so beware. It will drench the snow with blood and wreak nothing but despair. Flèche d'argent, la Gombie. Au-dessus des zéniths. On va essayer de trouver des zéniths. Moi, je pense qu'ils sont dans l'eau. Peut-être qu'il y avait des zéniths plus vers le... C'est ça, ma quête? Tu es 8 zéniths de l'archipel de glace. C'est juste des zéniths. Zamit. 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 I'll help myself, thank you. Je pense que oui. Non, le deux. I shall put this to good use. Non, ça je peux pas monter. Je pense qu'il y en a ici aussi. Nature has in store for us. A major step forward. J'en vois pas. Il
On va voir qui c'est la Gumby. C'est vrai que je prends une photo de lui. Hein. Il y a un genre d'oiseau bleu quelque part. Va-t-il arrêter de manger? C'est une belle photo. On prend une photo de la Gumby. Aïe aïe. Qui fait mal en estime, hein? Déjà blessé, ça en va. Let us
Putain, l'oiseau bleu, il est là, on le voit sur la map. Oiseau bleu. Comme en haut là. Est-ce qu'on le voit l'oiseau bleu? Ah, il est là. Hello. Ça, cet oiseau bleu là, là, si jamais vous le voyez, faut vous l'attraper parce que ça donne plus de stock. Ok. On va lire un peu. Une bête accro et aux longues oreilles qui survit dans les climats froids grâce à sa fourrure chaude et sa couche. Couche épaisse de graisse. Plutôt herbivore, la gombie utilise parfois son ouïe et sa capacité à évoluer sur la glace pour attaquer ses proies. J'ai pas de semences aussi, je pense que j'en ai quelques-uns. Et voilà. Let's have a closer look. Ça en va-tu pour de vrai? Lui, c'est pas tombé, mais il est pas tombé. J'ai pété les oreilles. Oh wow, c'est... Wow, c'est la boule de neige, toi. Faisais pas ça, nous en avons. Rien brisé avec la pièce. Ok, on a brisé ses... Ah, oh, mon chat a brisé ses alertes.
petit insecte. Je peux-tu comme prendre une photo de ça et tout? Prendre des photos, j'aime ça. Fond de la cave. Quoi, on a ça, non? Prendre chacun des oiseaux possibles. Tiens. On envoie des photos aussi. Tasse-toi le chat. Let us move. Ok, il est rendu où lui là? Non, ça veut dire qu'il se regagne d'un petit peu plus de vie. Peux-tu... Encore. Ok. Qu'est-ce qu'on peut péter dessus? Je
humans could learn from you. On l'a eu. It's over. Sorry, but duty calls. Oh my god, on a fait un autre monstre. Je sais pas, je l'avais déjà celle-là, on va voir. Mettre tes photos tantôt. Good job, my friend. Ça donne beaucoup de choses. Bon, ceci étant fait, on va arrêter ça là. Merci d'avoir été là tout le monde, puis capcaï à tous, et à la prochaine.